Et ils sont partis pour cette cinquième course. En tête de la course, Renfra, qui a déjà une tête d'avance sur les autres, et va prendre le commandement de cette course devant Wolf on the Fold. Eagle Squadron suit à l'extérieur, en deuxième position maintenant. Puis nous avons le cheval High Accolade, à son extérieur, Baraloche, Matafa, Siegfried, et en dernière position, Bastidé. Donc, Renfra en tête de la course passe au poteau des 1200 mètres avec une longueur de longueur d'avance devant Eagle Squadron qui suit sagement en deuxième position, idéalement placé à la corde. En troisième position, Wolf on the Fold qui a Baraloche à son extérieur. High Accolade suit en cinquième position. Puis nous avons Siegfried à son intérieur, Matafa et en dernière position, l'autre cheval de l'écurie Gagédard, Bastidé. Les chevaux entament la descente, plus que 850 mètres environ à parcourir. Renfra toujours en tête avec deux bonnes longueurs d'avance devant Eagle Squadron en troisième position à l'extérieur. Nous avons la casaque blanche de Baraloche à son intérieur, Wolf on the Fold, sous la montre de Cédric Séjean. Puis nous avons High Accolade, Siegfried déjà sous pression. Puis nous avons Matafa et Bastidé. Les chevaux n'ont plus que 550 mètres environ à parcourir, alors que Renfra a pris trois longueurs d'avance devant Eagle Squadron, qui met la pression maintenant avec Gaëtan Faucon. Entre troisième position, nous avons Wolf on the Fold. Bastidé a déjà décalé. High Accolade est aussi là. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Renfra toujours en tête. Eagle Squadron passe à l'extérieur. Bastidé montre très fort. High Accolade est là. Eagle Squadron, semble-t-il, va les gagner cette course. Eagle Squadron va les gagner détaché devant. Qui? Eh bien, devant Renfra, qui va terminer deuxième. Troisième, ce sera l'autre cheval de l'écurie Gagédard, Bastidé. Eagle Squadron, pas de détails. Aujourd'hui, il remporte sa première course sous la montre de Gaëtan Faucon. La dernière fois, il s'est retrouvé en tête malgré lui. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Il avait un meneur devant lui. Il a suivi sagement pour triompher de très belle façon dans la ligne droite finale. Facilement, je dirais. Eagle Squadron, cheval entraîné par Ricky Mingard.